C'est inédit en Grèce, cette manifestation anti-austérité est un rassemblement de soutien au nouveau gouvernement. Ils étaient plusieurs milliers jeudi soir, place Syntagma à Athènes, devant le Parlement. Ce slogan moque Angela Merkel, qui plierait sous la force du nouveau ministre grec des Finances. Cette manifestation s'est déroulée sans violence et sans déploiement des forces anti-émeutes, en contraste avec les rassemblements anti-austérité qu'a connu cette place. Nous voulons que notre gouvernement soutienne le mandat du peuple grec, dit cet homme. Ce mandat de la population grecque est contre l'austérité, il est pour l'Europe du développement. Nous ne pouvons plus nous permettre cette austérité, dit cette femme. Nous ne pouvons plus supporter ces programmes voulus par l'hégémonie allemande. Nous voulons faire ce qui est humainement possible, au moins nous asseoir à une table et parler du problème de la Grèce. Le nouveau gouvernement a annoncé la fin des privatisations et des mesures pour faire face à la crise humanitaire après 6 ans de récession et de politique d'austérité. C'était la première fois depuis de nombreuses années qu'autant de gens viennent spontanément ici, place Syntagma, pour manifester contre l'austérité. Des manifestations ont eu lieu simultanément dans toutes les principales villes du pays.